paradoxalement, la dernière image que j'ai travaillée, c'est celle qui est la plus visible, c'est la couverture. Ce qu'on voulait, en tout cas, c'était sur cette couverture que notre petit hérisson, il ait l'air malheureux, il nous fasse pitié, il nous implore du regard. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis après, avec cette idée-là, on a cherché plusieurs idées. Alors c'est souvent des petits détails infimes qui varient, c'est plus des questions de couleur ou de mise en page, mais on voit que y en a tout un tas, plus ou moins flashy, plus ou moins calme. Voilà, il est parfois mis en scène ou pas. Il y en a même une qui était très différente, où c'est une scène qui n'existe même pas dans le livre, d'ailleurs, qui était une autre idée. Ça nous faisait bien rire, mais c'était trop compliqué pour une couverture. Donc on l'a utilisé pour la page de garde, cette image-là, finalement. Et puis, on a envoyé toutes ces propositions à l'éditeur, qui a choisi celle-ci en faisant quelques petites retouches, c'est-à-dire ajouter du ciel bleu. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est un petit peu doux, il est malheureux, il est tout mou. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de contraster avec quelque chose de noir, de piquant, de dur. Ça m'intéressait. Puis mettre du noir sur une couverture de livre pour enfants, ça me plaît bien parce que c'est pas si fréquent que ça. Voilà.